C'est depuis l'hôpital qu'il témoigne. Ahmed, un Égyptien sans papier, se trouvait dans l'appartement juste à côté de celui d'Abdelhamid Abaoud quand le raid a donné l'assaut. Vers 4 heures du matin, je dormais dans mon lit. J'ai entendu un grand « boum ». J'ai cru que l'immeuble s'effondrait. Tout de suite, il essaye de sortir. Les policiers m'ont ébloui avec leur lumière. Je leur ai dit « s'il vous plaît, aidez-moi, il faut que je sorte ». À ce moment-là, je voulais aller n'importe où. Mais la police m'a dit « non, rentrez chez vous, ne sortez pas ». Ahmed reste terré près de 6 heures dans un coin, il entend une explosion, les tirs nourris, il s'imagine mourir. Au bout de quelques temps, un policier lui ordonne de se poster à la fenêtre, les mains en l'air. J'ai senti une grosse chaleur sur mon bras, puis j'ai vu le sang gicler de mon bras. Personne n'est venu à ce moment-là. Et de nouveau, il y a eu des tirs. Ahmed est touché par un tir des hommes du raid. Finalement évacué, opéré, placé en garde à vue, il explique aux policiers ne pas connaître Abdelhamid Abaoud. Il se souvient avoir croisé la veille de l'assaut des inconnus qui cachaient leur visage. Sa garde à vue est donc levée, mais les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Il n'a plus d'appartement, il n'a plus d'argent. Ses papiers qu'il conservait depuis maintenant 9 ans, afin de démontrer justement sa présence sur le territoire français, sont soit sous scellés, soit détruits. Sur son lit d'hôpital, on lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, sans délai. Je suis particulièrement choqué de cette action de l'administration française. Ahmed espère maintenant un geste de solidarité de la part de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour lui permettre de rester en France.